Salut divisionnaire, c'est Diable au micro et aujourd'hui on va parler technologie de la division ou plutôt comment vous en mettre plein les poches, du moins un maximum, grâce à une petite astuce. Comme vous le savez, jusqu'à aujourd'hui, les technos de la division étaient peu utiles dans le jeu, elles étaient reconvertibles en outils, tissus, pièces d'armes et composants électroniques. Et depuis que la 1.8 est sortie, on a avec elle ces jolis petits postes d'optimisation qui vous permettent, dans l'idée, une fois que votre build est construit, testé, validé, approuvé, vous pouvez vous rendre ici et optimiser vos armes et vos pièces. Dans le but d'en faire le build parfait, d'avoir les statistiques max sur toutes vos pièces et sur tous les attributs, tous les composants d'armes à feu, endurance, électronique, etc., etc. Le seul souci, c'est que comme vous le voyez en bas à droite, chaque optimisation coûte 50 technologies de la division. Et des optimisations, il y en a plusieurs par pièce. Des pièces, vous en avez 6 sur vous et vous avez 2 armes. Ça fait énormément de techno de la division et on ne parle que d'un seul build. Si vous avez plusieurs builds, on multiplie. Le souci, comme dit, c'est que des technos de la division, on en ramasse certes partout dans le jeu sous plusieurs formes. Mais ça ne se ramasse pas à l'appel. Ça peut se farmer en Dark Zone, ça peut se chercher, mais on met quand même du temps à monter. Et pour ça, j'ai une petite astuce qui devrait vous faciliter un petit peu la vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'une des ressources qu'on a dans le jeu pour obtenir des technologies de la division, c'est le démantèlement. Alors les démantèlements d'objets classique, que ce soit du gold ou du vert, des sets d'équipement vert mais non classés, ils ont tous, toutes ces pièces ont une probabilité de vous lâcher une techno de la division en les démantelant. Donc là par exemple, je viens de démanteler 4 armes et j'ai eu une techno de la division. J'aurais pu en avoir 2, 3 ou 4 ou 0. C'est vraiment aléatoire pour le coup. Il y a une exception à cette règle, ce sont les exotiques et les classés. Les exotiques et les classés vous lâchent systématiquement une techno de la division à chaque fois que vous en démantelez un. Et l'astuce, à partir de là, il va falloir vous rendre sur ce petit poste de fabrication avec une condition préalable qui est de terminer la mission assemblée générale que vous avez là. Ce que je suis sûr 99% des joueurs ont déjà fait. Le fait de la terminer, vous débloquez le schéma du Damascus. Le Damascus, c'est une arme, un pistolet exotique. Le schéma que vous allez débloquer sera en niveau 163. Donc en soi, ça n'a aucun intérêt pour l'arme à proprement parler, mais je sens que vous allez commencer à voir où je vais en venir. Comme c'est un level score 163, elle ne coûte que 5 pièces d'armes et 3 outils à fabriquer ce Damascus. Contrairement à déjà un 182 qui coûte 6 pièces d'armes et 4 outils. Et dès qu'on passe dans les hautes sphères, on monte sur du 6 pièces d'armes. Je ne sais pas s'il y a des schémas exotiques qui sortiront un jour sur d'autres choses, mais voilà, ça va jusqu'à 7. Si j'ai pas rêvé, 7 pièces d'armes. Voilà, 7 pièces d'armes pour les 256 en gear score. Du coup, l'astuce est très simple, il vous suffit d'aller farmer un petit peu et de récupérer des armes à droite à gauche, de toutes les démanteler pour récupérer des pièces d'armes. Au passage, vous avez une probabilité en plus de grappiller quelques petites technos de la division et vous venez dépenser ces pièces d'armes ici au poste de fabrication pour vous fabriquer plein de Damascus, plein de pistolets et chaque démantèlement vous redonne des pièces d'armes, donc vous n'êtes pas si perdant que ça. Et en plus, vous avez systématiquement une techno de la division pour chaque pistolet que vous démantèlerez. Voilà, c'est une façon de ramasser un petit peu plus vite des technos et de vous en mettre de côté pour optimiser les stuffs que vous préférez jouer et commencer à optimiser toutes vos pièces. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, moi ça me fera toujours plaisir. N'hésitez pas à vous inscrire si c'est pas encore fait, j'ai encore plein de choses à vous dire, il y a plein de tutos, plein de nouvelles choses qui sont arrivées, j'ai pas eu le temps de produire beaucoup ces derniers temps, mais c'est promis, après les fêtes de Noël, je me remets à la tâche. Et si vous n'y êtes pas encore, rejoignez le Discord, notre jolie petite communauté, on est plus de 260 membres maintenant, c'est fou ça aussi. Et c'est autant de joueurs, de personnes qui sont là pour vous aider, pour échanger avec vous, pour constituer des groupes. Donc ouais, ce Discord est très chouette, je vous remets les liens dans la description de la vidéo, juste en dessous. Sur ce les agents, je vous souhaite encore une fois good game à tous, farmez bien, farmez plein, et à bientôt sur The Division pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao les gars.